No. Quoi, il y a la vieille cri-cri. Elle vient de rentrer là, fatiguée. Hein. Moi, c'est démaquillé. C'est démaquillé. Donnez-moi mes démaquillants, s'il vous plaît. Et que j'enlevasse cette perruquasse. Lady, Emma, je t'ai appelé combien de fois, Emma? Je t'ai appelé 3 fois. J'ai dit, tu n'entends pas à gauche, à droite, 2 jours, là, les gens sont dans sur ta vie. Bon, ils ont laissé affaire de M. Touré, là. Parce que même l'avocate, même internationale, que M. Touré avait pris sur les réseaux sociaux, là, elle est fatiguée. Elle allait s'occuper d'une autre affaire. Voilà, tu vas en train de s'occuper d'une Marocaine. Avec ses enfants. Depuis, là, ils sont en train de parler de ton nez, là. Tu n'entends pas. Tu ne vas pas sortir pour parler. Pour expliquer aux gens si tu as fait chirurgie, ou bien c'est make-up. Ou bien, parce qu'on sait que toi, à faire des nez là, on sait que toi c'est make-up. Mais depuis un certain temps, on sent que, je ne sais pas si c'est le make-up qui a changé, ou bien si c'est chirurgie que tu as fait, si c'est rhinoplastie, ou bien en tout cas, c'est que si on assis par terre, on ne comprend pas. Tu n'entends pas tout ce que les gens sont en train de dire. Même les Camerounais, tout le monde est sur toi, on comprend rien. Tu ne sais pas si Emma est son nez, tu ne sais pas si Emma est son nez. C'est joli, c'est vilain, c'est comme pour Michael Jackson, on ne comprend plus rien. Tu ne vas pas sortir. Souvent ton comportement, là, c'est ça que je n'aime pas là. Quand les gens sont en train de parler, puis tu t'en fous là. Et puis tu t'en fous là. C'est ça là, souvent là, je ne comprends pas sur toi là. Mais en tout cas, asseyez-vous. Les fans refoulés, les fans frustrés là, asseyez-vous. Parce que, en tout cas, j'ai vu une petite vidéo pour vous qui date de depuis 2017-2018, mais qui peut faire office aussi, voilà, de l'actualité de maintenant. En tout cas, c'était mon fou rire depuis hier nuit quand j'ai vu ce tomber là-dessus. J'ai voulu vous partager ça. Donc, on va regarder, s'il vous plaît. Asseyez-vous très bien parce que ça vous définit même. Je vous jure que ça vous définit. Et quand vous avez fini de regarder ça là, laissez vos avis en commentaire. Vous savez qu'ici, là, c'est la démocratie. Tu laisses ton avis, tu m'insultes et t'insultes. En tout cas, on s'ignora bien en commentaire. Et puis maintenant, après, là, on passe à autre chose. Donc, on regarde, s'il vous plaît. Merci. Touche pas à mon bébé. Votre émission qui parle des droits de vos enfants et par-dessus tout, les devoirs que vous avez envers eux. Apparemment, c'est Emma Louès qui est la nouvelle animatrice de l'émission Touche pas à mon bébé. Franchement, attends, les gens, là, pourquoi ils aiment le copinage comme ça? Hein? Ils ont quoi à la mettre partout, même cette racaille-là? Oh, Léa. Non, elle n'est pas un exemple pour les jeunes. Comment ça? Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est une dangereuse criminelle. Oh, Léa. Il paraît qu'elle a une île où elle élève 22 lions, 15 panthères et 62 jaguars qu'elle nourrit avec de la chair humaine. Léa, je te dis. Attends, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Tu te souviens de la dernière fois quand j'accompagnais Vino à l'aéroport là? Mais je l'ai vu là-bas. Elle partait nourrir ses bêtes. Léa, comment est-ce que tu as su qu'elle allait nourrir ses bêtes? Mais pas sa démarche. Ah non, mais je l'ai dit. Moi, je ne suis pas les fans qui ferment les yeux sur les défauts de leur star là. Hein? Hey! Quelle bonne star! Qui est sa fan? Qui est sa fan? Entrez. Bonsoir. Ah, ah, là. Oh, c'est toi. Oui. Fortuné. Oui. Non, dis-moi que j'ai rêvé. Dis-moi que j'ai la voiture. Assieds-toi, assieds-toi. Tu es mauvaise. Emma Louès chez nous, chérie. Oui. Emma Louès. Tu ne me dis que tu. Ah, mais si, Emma, c'est mon amie, je ne vous l'ai jamais dit. Mais non. Ah bon? Non. Tout à l'heure, on regardait la télévision. Mm-hmm. Je l'ai vue, j'ai dit, eh non, mais celle-là. Non seulement elle est belle, elle est talentueuse. Si je pouvais la voir un jour comme ça pour lui dire que je suis sa fan numéro 1, numéro 1, numéro 4, j'ai dit non, chérie Coco, ça va. C'est ce que je disais, non? Oui, si, si, c'est ce que tu disais. Non, ma chérie, tu mérites le respect de la nation. Parce que tu honores notre pays. Après Afa Blondi, Drogba, Didier Arafat, c'est toi. Quand tu veux, je te vois mute. J'ai un message pour toi. Bien sûr, Pella. Mais je n'ai même pas encore offert à boire à notre invité. Quel invité? C'est pas ton invité, c'est mon invité spécial. Ma Emma spéciale, Emma de mon cœur. Allez, vas-y. Allez, Pella. Vas-y. Ça va? Je t'offre quelque chose. Dis-moi tout ce que tu as envie de boire, tout ce que tu veux manger. Je suis prête pour toi, chérie Coco. Je suis prête pour toi. Non, ça va. Non, je te dis, je suis ta fan numéro 1. Mais j'ai mal au cœur. Pourquoi? Je suis toutes tes actualités. Hein. Mais je t'ai envoyé des messages. Plusieurs messages sur Facebook, Twitter, Instagram. Mais tu n'as jamais répondu. Pour m'accepter comme ami, je te demande pardon. Hein? Non, ne ris pas. Mais là, quand tu l'as, tu es encore plus. Tiens, tu es belle, vrai. Comme tu vois, les photos, on est au champ pour quoi là. Mais c'est vrai. Mais pardon, je suis sérieux, je t'en supplie. Vous savez pourquoi je ris? Même. C'est bizarre, mais. Je vous ai reconnu. Eh bon, tu vas... Ah, Dieu merci.
Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. En particulier, sur les pages à scandale, qui passent le plus clair de leur temps à me vilipender, me critiquer et évidemment me traiter de tous les maux. Hmm? Et je vais vous dire une chose, madame. C'est moi qui gère toutes les pages sur les réseaux sociaux. Du coup, je prends un malin plaisir à lire tous les commentaires désobligeants, injurieux et mignons aussi, parce que Dieu merci, il y en a. Et je m'amuse aussi à retenir les profils qui passent leur temps à m'insulter, comme le vôtre. Donc, pardonnez-moi si je n'arrive pas à croire ce que vous me dites. Non, franchement, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Tu me comprends un peu parce que j'ai tellement voulu être ton ami et à force de me refuser, peut-être que ça m'a rendu aigri. Non, c'est pas peut-être. Franchement, j'ai vraiment aigri. Je te demande pardon, excuse-moi. Je t'en supplie. Hein? Je vais retirer tous mes messages. Tous mes sales messages, franchement. Ça va faire beaucoup, hein. Mais je vais tout retirer, je te jure. Hein? Donc maintenant, on est amis, non? Et toi et moi, amis. Oh, continue. Depuis que j'ai tombé cette vidéo-là, j'ai dit que j'ai rien. Pause publicitaire, j'ai dit. Pour toutes celles qui veulent le thé. Voilà, le thé que j'utilise là. Celles qui disent que non, thé ne fait pas maigrir, thé ne fait pas pardonner. Mettez-vous de côté. Je ne veux pas problème avec quelqu'un. Pardonnez. Pause publicitaire. Voilà. Donc, les thés là sont. En tout cas, passez vos commandes. Voilà, je vous mets mon WhatsApp ici. Passez vos commandes. Venez, on va parler. Comme je vous ai dit là. Hein. Je vais faire tout mon possible parce que je vois beaucoup de commentaires. Voilà, des femmes qui veulent le thé. Mais quand on boit thé là, on ne mange pas les choses bouba 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 aussi. Mm-hmm. Il faut un régime alimentaire bien strict, bien structuré, avec du sport. Tu n'as pas boité et puis tu vas aller manger Dokuno à minuit. Non. Voilà. Donc, en tout cas. Voici ça qui est là. Il y a plusieurs types. Il y a le thé vert, il y a le thé à la verveine, il y a l'infusion à la camomille. Voilà. Donc, en conclusion, les fans frustrés là. C'est votre film qui est là. Comme j'ai dit là, ça a été tourné à un moment il y a depuis 2017-2018. Donc, pour vous dire que Emmanuel, peu importe ce que vous dites, elles sont faux. Maintenant, ceux qui vont venir dire en commentaire que non, toi-même, tu t'acharnais si, par Flo avant, tu t'acharnais. Votre Mada de Queen. Elle n'est pas parfaite. Il y a une MC qui vient me dire carrément que oui, EK n'est pas, tu n'es pas au niveau de, tu n'es pas au niveau de Emma Loès. Faut amener ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Loès. Il dit, yeah, maman Mangaï, Jésus-Christ de Nazareth, ouais. Lorsque Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Lorsque Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon quatrième étage. Il y en a qu'à d'abord finir, moi. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Donc, à bon entendeur, salut et puis passez vos commandes. Venez sur mon WhatsApp, on va parler. Merci.